Trevor Ward. Vu que ça mène. Dix buts. 26. Et le but! OK, Val Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe à la plaisir. Et le but! Veilleux! Et c'est ça, encore une fois. Il va de la même fin. 17 fois de Sirius a marqué. Olivier! C'est tiré! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, spécial, là, tout en finale de la LNH, on va recevoir les deux entraîneurs-chefs impliqués dans la finale, yeah. Eric Haley des 3L de Rivière-du-Loup dans un premier temps, et ensuite Bobby Barry de l'assurance de Thetford. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes. Yeah. Quasiment rendu une petite tradition, je pense que c'est la troisième année de suite qu'on... Ouais. Tradition de Bobby Barry aussi, en troisième année également. Qui ça va, fait aussi va trois bien. Années d'affilée qu'on le reçoit. Ouais. Donc, j'imagine que les coachs, d'après moi, vont rester posés. D'après moi, ils ne voudront pas trois données à leur adversaire, mais ça va être bon quand même. Puis, tu sais, on va pouvoir aussi, c'est quand même un mois... Un peu plus qu'un mois que les séries sont commencées, on va pouvoir passer à travers les parcours aussi. Donc, ça va être bon. J'ai hâte de voir là, ce qu'ils vont avoir à dire. Ouais, c'est ça. On a quand même deux équipes là, intéressantes là, du côté des 3L. Là. On a parlé un peu avec Eric là, qui était dans la salle d'attente avant l'émission, là, mais c'est le parcours des 3L, la progression de l'équipe là, à travers l'année, ça va être de son point de vue intéressant de savoir peut-être aussi qu'est-ce qui a été un élément déclencheur là, dans les séries éliminatoires, après avoir quand même éliminé le Cool FM de façon quand même assez convaincante. On a senti que l'équipe a encore plus monté son niveau d'un cran. Du côté de l'assurance, ça va être intéressant également de voir la progression de l'équipe, car on sait qu'au début de la saison, on avait seulement 3 victoires en 10 parties, les 10 premières parties. Donc, pour ensuite là, à venir avoir des séries de victoires arriver là, dans les séries éliminatoires, quand même avec quelques blessés, on l'a quand même pas eu facile du côté de l'assurance, mais on a fait preuve de caractère pour se rendre jusqu'à la finale. Oui, c'est aussi un point que j'avais noté pour parler avec Bobby que oui, ça n'a pas été le parcours le plus facile du côté de l'assurance, dans le sens où ouais, il y a eu quelques blessés, une suspension aussi d'un joueur clé et tout. Donc, ça va être genre de voir ce qu'il y a à dire là, sur comment son équipe est faite pour passer à travers ça. Mais on le sait, l'assurance, là, la profondeur, c'est toujours. C'est toujours une force pour eux autres. Donc, ça va être à voir aussi là, ce que Bobby va avoir à dire par rapport à ça. On pourrait dire peut-être quelques salutations là, pour commencer. Jean-Paul Veilleux qui nous dit bonsoir les boys, encore une bonne soirée avec vos deux invités. Danny Charette qui dit bon, salut les boys, on va être une bonne soirée. Go Thetford, donc Danny qui affiche ses couleurs. François Poliquin qui nous dit bonne émission, messieurs. Écrit un petit peu plus bas aussi. J'ai hâte de voir le coloré Bobby Barry. Si vous essayez de bien se tenir, on va essayer de ne pas faire un show de lutte ce soir. On va garder l'émotion sur la glace pour le premier match vendredi. Bon. Ok, salut également à Céline et Gilbert Gauthier. Jeffrey Tardif qui dit bonne soirée tout le monde. Go Thetford. Donc, partisans là, des deux équipes là, qui sont de ce genre. Je vois aussi des Go 3L Go, donc ça va être la fun. Donc, on va faire un petit tour. Là. Bon, ben, c'est un peu la grosse nouvelle, c'est la finale en tant que telle. Là. Donc, ouais. On en a parlé. Donc, ça commence ce vendredi à Thetford Mines, match numéro 2. Samedi à Rivière-du-Loup. Sinon, au niveau des autres nouvelles, ben, en Rivière-du-Loup, nouvelle un peu plus... Morose, là, ben, Morose,
Moron. C'est marrant, mais je veux dire, c'est triste de voir un des grands de la Ligue se retirer. Là. Éric Haley, le coaché, pourra nous en parler aussi un petit peu, mais Jean-Philippe Chabot, là, qui avait annoncé sa retraite suite à l'élimination des Pétroliers, on l'a vu après le match, était très émotif là, sur la glace. Il a fait une entrevue également là, avec Nick Pelletier après la rencontre avec toute sa famille. C'était quand même assez touchant comme entrevue. Donc, un des grands capitaines de la Ligue à avoir passé. Ouais. Donc, évidemment, il n'était pas capitaine quand les Trois ont gagné la Coupe en 2016, mais était définitivement là, un des leaders de cette équipe-là. Donc, remporté la Coupe une fois. Il était capitaine toutefois quand les Trois sont retournés en finale en 2018 contre Sorel Tracy. Puis sinon, en fait, il était assistant le capitaine avec Laval. Donc, Jean-Philippe Chabot, là, ça aurait été 200. Aussi mentionné, avait joué une saison à Saint-Georges quand il était début vingtaine avant de retourner dans les circuits professionnels aux États-Unis, mais et en France également, mais Jean-Philippe Chabot, donc, avec sa carrière qui se termine, c'est 281 matchs, 72 buts, 73 passes, 145 points, et également, là, 772 minutes de pénalité pour un joueur là, qui n'a jamais hésité également à défendre ses coéquipiers, là, qui n'avait pas froid aux yeux. Puis, j'avais vu un commentaire aussi que si les je suis d'accord aussi, là, si les tirs bloqués étaient une statistique, là, au moins au niveau des attaquants, je suis pas mal certain que Jean-Philippe Chabot serait toujours dans le premier, sinon au minimum top 3, là, top 5 à chaque année dans cette catégorie-là. Là, c'était toujours le premier à se jeter devant les tirs. Donc, on pourrait dire l'image là, du guerrier ultime, là, ça peut bien représenter JP Chabot, et également un leader, a gagné là, le trophée Jonathan Delisle en 2020-2022. Honneur là, qui est donné là, aux joueurs faisant preuve de plus de leadership. Exact. Donc, saluer aussi un ancien du podcast, j'ai eu Quentin passer, Paul Shantz, qui dit Bobby Belichick Barry. C'est une bonne comparaison. S'il y avait un Bill Belichick dans la Ligue américaine, ce serait probablement Bobby Barry. Surtout qu'il est DG, et c'est lui qui monte le club et qui coach. Denis Arsenault qui rajoute JP, on l'appelait Iceman, plein de sacs de glace après la game. Donc, c'est pour vous dire. Ah, puis même dans ses derniers matchs, là, dans la série contre Sorel Tracy, je l'avais vu, à un moment donné, il avait fait un arrêt pratiquement avec sa main. Là, je ne sais pas si sa main, il y a une blessure à la main suite à ça, là, mais tu sais, quasiment comme un gardien. Et on l'a vu retourner dans la chambre, puis quelques minutes plus tard, il était de retour, sur la glace. Donc, à l'image de sa carrière. Donc, si vous pouvez peut-être réécouter les balados, là, on a reçu JP Chabot. C'est Denis Arsenault, justement, cette semaine, qui m'en avait demandé si on l'avait déjà reçu. On l'a reçu l'année dernière, troisième émission de la saison. Ouais, c'est le début avec Laval. Yes. Et puis, on l'avait reçu aussi l'année d'avant. C'était l'émission là, avant le début des séries. Ou série 2021, peut-être? 2022. Donc, on l'avait reçu... je pense 6 joueurs là, au début des séries. Ouais, représentaient les 3L ouais, à cette époque-là. Donc, on avait reçu un joueur à chaque équipe, puis était celui des 3L là, qui était exact. Yes. Donc, sinon, deux autres petites nouvelles. Y a, pour les fans là, de télé, je pense que c'était la petite photo. Là. Il y a la bande-annonce de la troisième saison de Shorzy qui est sortie. Donc, en fait, c'est une story de Marimé. Story de Marimé, officiellement, OK. Ben. Donc, on peut voir à sa gauche qu'il y a Danick Paquette et Steve Bossé à sa droite. Donc, elle est bien protégée. Oui, elle est bien protégée, c'est le cas de le dire. Fait que seront vraisemblablement de la saison 3 de Shorzy avec d'autres anciens de la Ligue nord-américaine là, qui avaient déjà des rôles, là, dont... John Mirasti et Jonathan Ziabi. Je pense qu'Alex Penner, l'ancien, est marqué aussi, qu'Éric Haley connaît bien également. Il avait été le coaché à Jonquière. Donc, lui aussi, je pense, était un des acteurs de la saison 2. Je ne sais pas s'il revient pour la saison 3, mais pour c'est les fans. C'est disponible le 24 mai sur Crave. Dans une entrevue de Terry Ryan, j'ai vu que ça devrait être aussi disponible sur Hulu un mois plus tard. Donc,
un autre acteur d'appeler pour les vieux fans du Canadien, s'en rappelleront. Ouais. Harry Ryan. Je pense, choix première ronde au total en 95. Ouais, c'était supposé être un gros power forward, mais ça n'avait pas, pas fonctionné. Il a joué cette année. Ouais, jouer un match à 47 ans dans la East Coast. Donc, voilà. Puis, dernière petite chose, je voulais dire, il y a un reportage là, qui a fait. J'en ai un petit peu la semaine dernière là, de Stéphane Turcot, à Québec, qui s'entretenait avec Jesse Girard, le commissaire, qui parlait justement de l'expansion, comme quoi qu'on s'approchait à Québec. Des mots de Jesse Girard qui restaient là, des questions d'aréna un petit peu à régler. Puis que glisser simplement un petit mot en fin d'entrevue, laissant sous-entendre que ça allait bien aussi dans le dossier de Saint-Hyacinthe. À suivre les rumeurs s'intensifient. Avec ce genre de reportage officiel-là là, de Radio-Canada, je pense que c'est comme quoi. Je pense que c'est Radio-Canada. Je pense que c'était TVA dans le Ça pour dire qu'avec des reportages officiels comme ça, c'est sûr que ça va faire. Ça fait intensifier les rumeurs. Mm-hmm. Yes. Puis, dans la petite nouvelle, je pense qu'il y avait un dernier, un LNH sans limite là, qui était sorti sur la demi-finale. C'est ça, Dave? C'était comme le teaser qui est le petit preview là, l'épisode de la demi-finale. L'épisode complet devrait sortir en fin de semaine prochaine. Parfait. Il risque d'avoir au moins un épisode sur la finale, peut-être plus si Dieu le veut. C'est bon. Good. Sinon, est-ce qu'on est prêt à y aller là? Avec notre premier invité. Yes. Allons-y. Éric Hélé, entraîneur-chef des 3L de Rivière-du-Loup. Comment ça va? Salut les boys, ça va bien. Félicitations pour votre podcast. Merci. C'est nous qui devrions te dire félicitations. Écoute, on a travaillé fort. Il y avait deux portes pour rentrer pour la grande finale. Puis en début de saison, les organisations ont décidé qu'il y avait un match suicide pour rentrer un peu par la porte de arrière. Nous, c'était celle-là qui nous a été ouverte, mais on a travaillé fort pour se rendre là. Puis je suis bien fier des gars de l'organisation. Yes, on va parler un peu quand même des toiles du début de la saison à venir jusqu'à justement la porte d'en arrière et maintenant la finale. Mais on pourrait peut-être qualifier là, les 3L de jeunes loups contre l'expérience de l'assurancier en finale. Mais parle-nous un peu peut-être de la progression là, de tes jeunes loups du jour 1 là, maintenant. Oui, mais tout d'abord, c'était la troisième année, on est en reconstruction, puis quand on est arrivé au camp d'entraînement, là, les gars se donnaient la main, puis se donnaient quasiment le nom, le prénom, malgré qu'il y en avait qui avaient joué. Malgré qu'il y en avait qui avaient joué dans le hockey mineur, dans universitaire, junior majeur ensemble, mais c'était pour la plupart là, du nouveau pour eux autres là, dans la Ligue nord-américaine, puis on sait que la ligue, c'est une ligue complètement différente où ce que t'es plus sur la glace à tous les jours, puis tu dois prendre soin de toi la semaine, tu travailles ou tu vas à l'école. Puis quand ça commence la fin de semaine, là, ben c'est, vous savez là, comment est-ce que l'énergie est à son maximum. Donc, on a commencé le camp d'entraînement comme ça un petit peu à se connaître, à connaître le nouveau groupe là que Fabien Dubé avait concocté, puis. Au fur et à mesure que la saison, on a eu de la difficulté là, en début de saison. Là, avant que le gâteau prenne, là, c'est sûr que ça prend des matchs. Puis on a eu un petit peu de pratique en début de saison, le camp d'entraînement, un petit peu de pratique. Mais après ça a été plus dur là, de se rencontrer sur la glace. Donc, ça devient moins évident. Mais on a travaillé beaucoup, beaucoup avec le vidéo, avec les unités qui étaient en place. Tranquillement, pas vite, là,
On était capable de faire notre place, de prendre un petit peu de confiance comme équipe. Puis surtout les gars d'apprendre là, comment se débrouiller dans cette ligue-là où tu n'es pas sur la glace à tous les jours, tu ne reçois pas des pucks à tous les jours. Donc, c'était un début de saison plus dur. Il y a eu les blessures aussi, là, milieu de saison, ben, un petit peu aux trois quarts de la saison, là. Je pense que pendant un mois de temps, il y a eu c'était quatre puis cinq nouveaux joueurs à chaque match qui rentraient là, dans le line-up. Les blessures, les gars ont été malades aussi. De manière, il y a eu une grosse grippe là, qui a passé dans la chambre. Donc, c'était pas évident, mais malgré ça, on réussissait quand même là, à aller chercher des victoires. Puis, aller chercher un point parce qu'on a perdu quand même beaucoup de points là, dans la saison. Là, on a donné des points à l'adversaire. Donc, puis plus que la saison avançait, là, plus que les gars avaient leur rôle, puis ils étaient bien là-dedans. Les blessures sont revenues. Puis à la fin de saison, là, on a senti là, qu'on les gars t'as plus à l'aise. Puis t'as content de venir à l'aréna. Ce qui nous a aidé aussi, c'est à la maison, à partir des fêtes, on était un petit peu avant aussi, c'était un petit peu plus difficile pour l'adversaire de venir nous battre à la maison. Tu sais, les gens de Rivière-du-Loup ont commencé à s'associer à leurs équipes, à venir nous encourager. Puis la foule, là, match en match, ça l'augmentait. Donc, ça nous donnait beaucoup de confiance. Puis on a réussi. Puis, encore une fois, là, jusqu'à la dernière fin de semaine, on ne savait pas là, qui on affronterait, là, qui on affrontait dans les playoffs, là, à quelle position on était terminé. Donc, on a terminé quand même en force. Juste avant de continuer, là, des petits messages dans le chat. Fabien Dubé qui nous dit bravo, Rick, tu es meilleur que moi avec ton internet. Technologie. Frank Desrosiers également, Frank. qui veut te dire je veux juste souhaiter bonne chance au premier coach qui m'a vraiment donné ma chance dans la LNH avec les Preds de Laval, Rick Haley. Tout à, il va comprendre. Je t'aime, mon salopard. Faites-lui I le love, I message. love you, Frank. Ça aussi, Frank Desrosiers, c'est un autre vrai, ça. Puis c'est des insides qu'on avait à Laval dans le temps, justement en 2016, où on avait affronté les 3L quand ils ont gagné le dernier coupe. On les avait affrontés en demi-finale. On a fait une belle ride avec cette gang-là. Donc, salutations. Ah, Francis, tu as dû le voir jeudi dernier, je pense. Il a joué le dernier match où vous êtes serré la main. Absolument. Il m'a dit, bon, ben, c'était ma dernière saison, je prends ma retraite. Fait que j'y ai fortement expliqué que je refusais, qu'il fallait qu'il joue encore, il était trop jeune. Un jour, il était pareil trop vieux, puis là, il devra prendre sa retraite. Donc, j'ai refusé qu'il prenne sa retraite. Il va jouer l'année prochaine. Okay. Hey, au début de ta phrase, je pensais que tu étais en train de nous annoncer la Ouais. retraite donc, à la place de Francis de Rosé, Non. mais Du Francis tout. s'est rattrapé. J'ai refusé. C'est bon. Moi, j'avais quelques petites questions que je voulais te parler. D'abord, tu as dit là, que vous êtes passé par la porte d'en arrière. Effectivement, vous avez, dans le fond, perdu la première ronde face à Jonquière. Moi, ce que je veux savoir, parce que vous êtes revenu en force, là, vous avez littéralement 5 victoires en 6 matchs depuis la première ronde. Là, donc, vous êtes sur une bonne passe, comme on dit. C'est quoi le speech dans la chambre après la défaite dans un match numéro 5 contre Jonquière, de rallier les troupes, de dire, hey, après la déception d'avoir joué une grosse série comme ça, de dire, hey, les gars, c'est pas fini, gardez la tête haute. C'était quoi le message dans la chambre après cette. Ben, premièrement, là, cette série-là à Jonquière, c'était une série qui était dure là, pour les deux équipes. Là. Ça s'est joué jusqu'au match ultime, fini par un but. Écoute, il y avait eu beaucoup de voyagements aussi, là, Rivière-du-Loup-Jonquière. Donc, il y a eu de la fatigue, il y a eu de la fatigue là-dedans. Puis,
La façon qu'on jouait, puis tu sais, les matchs ont été très, très serrés, là. Ça aurait pu aller d'un bord ou de l'autre côté. Donc, les gars savaient que on n'avait pas réussi à aller chercher la W, mais on avait quand même donné une très, très, très grande opposition. Puis Jonquière, c'est quand même une organisation là, depuis des années là, que c'est une très bonne organisation, puis ils ont une très bonne équipe. Donc, nous autres, on a le Midnight Rules comme toutes les équipes, les joueurs, les entraîneurs ont. On va digérer, il fallait digérer cette défaite-là parce que c'en était une, mais rapidement, on jouait le mercredi, Ouais, je crois, mercredi. pour une game suicide. Puis c'était pas un 2-3 comme comme il y a déjà eu là, dans les autres années. C'était vraiment un match suicide. Donc, il fallait rapidement se préparer. Puis écoute, on a digéré ce qu'on avait à digérer, puis dès le lendemain, on a commencé à travailler parce qu'on avait un match à gagner, puis on se sentait prêt là, à sauter là, à demi-finale. J'avais une autre question qui, je pense que le match suicide, c'est une belle façon de la porter. Je voulais parler de la foule à Rivière-du-Loup, qui vraiment, là, c'est les meilleures foules à Rivière-du-Loup depuis X nombre d'années. On avait regardé les stats, là, puis ça fait minimum 10 ans là, que c'est les meilleures foules à Rivière-du-Loup en saison régulière. Puis c'est quoi de voir également là, en série, justement, après une défaite en première ronde contre Jonquière, de voir qu'un mercredi soir, à Rivière-du-Loup, je pense qu'il y avait quoi, 1 400 personnes, ce match-là? C'était Oh, quoi? je pense qu'il y avait plus 1 600, 1 700. 1 100, 1 100. Ben c'était quoi le feeling de voir que Colin, même si on n'a pas réussi en première ronde, les fans ont. Ben vous n'aviez pas abandonné, mais les fans ont clairement pas abandonné non plus, puis ils étaient quand même derrière leur équipe. Ben, 1 700 un mercredi soir. Là. oui, à la maison, on jouait bien là, depuis un petit peu avant les fêtes, là, les gens, je pense, croient en nous. Puis on a démontré là qu'on était passé à une autre étape. Donc, ils se sont ralliés, puis les gars l'ont ressenti, là, ce match-là, c'était important. Puis on a vraiment, vraiment, vraiment sorti fort. On a senti dès le warm-up là, que les gens commençaient à rentrer, puis il y avait beaucoup d'ambiance. Puis ça a été un match, là, je pense, à sens unique, là. On a vraiment sorti fort. Puis on ne voulait pas rater notre deuxième chance, là, de se rendre en demi-finale. Justement, tu m'as dit aussi avant l'émission qu'on est sold out pour samedi, là, parlant de la foule à Rivière-du-Loup. Wow, j'ai déjà vu ça. En tout cas, je sais pas si tu as déjà eu la chance, là, mais quand Sorel joue en finale contre Rivière-du-Loup, j'ai déjà vu ça. Je pense que c'est 4 000 quasiment que quand c'est sold out, c'est Ouais, tout près, là, mais c'est quelque chose. je pense que maintenant, avec les billets électroniques, c'est un peu plus difficile. À un moment donné, la machine, elle veut plus n'en donner des billets. C'est peut-être un petit peu plus facile quand c'est des billets imprimés. Mais je pense que c'est 2 850 billets assis, plus t'as des billets debout. Fait, j'ai l'impression à combien ça peut aller, là. C'est-tu 3 500? Mais une chose est sûre, c'est plein, c'est le fun. La fièvre des séries est à Rivière-du-Loup. L'organisation le ressent, les joueurs le ressentent. On est excités, puis on a bien hâte là, que la finale commence. J'avais une question. On parlait tantôt, là, tu parlais, ben, on parlait du match là, contre le Cool FM. On a reçu Fabien Dubé, le directeur général, un petit peu plus tôt dans la saison, et comparait peut-être la possible progression des Troyens, faire une comparaison peut-être à comment sont arrivés là, la reconstruction du Cool FM pour avoir gagné l'année dernière. Est-ce que tu vois peut-être toi aussi une certaine comparaison avec ça ou Une chose est sûre, là, Fabien travaille fort 24 heures sur 24. Puis cette année-là, à toutes les fois qu'il était capable d'ajouter des éléments qui pourraient aider, qu'il y avait peut-être des petits trous à certaines places, ben
Il a fait le travail, que ce soit lors du repêchage, que ce soit via des échanges. Puis, c'est ce qui a fait aussi que ça a peut-être été un petit peu plus long à ce que le gâteau prenne, mais un coup que le gâteau prend, puis que les gens sont bien placés aux endroits et aux rôles qu'ils aiment faire, bien, c'est pour ça, là, je pense qu'on a un peu plus de succès. Oui, je parle du travail de Fabien Dubé, gagné le DG de l'année également. Oui, oui, oui. On peut le mentionner. Très mérité, c'est mon... je ne le connaissais pas, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. On a travaillé ensemble dans le Senior 3A. Puis pour moi, je savais que c'était un homme de hockey. Puis quand j'ai eu justement le poste là, pour aller avec les 3L il y a 3 ans, mais c'était l'homme de la situation. Je voulais l'emmener avec moi comme adjoint. Puis je savais que dans ce temps-là, Carl, ben, il était sur une... il avait moins de temps à s'occuper de la Ligue nord-américaine, donc je savais que c'était un bon moment pour lui, puis je suis très fier. Moi, j'ai la chance de voyager, on est trois, là, Jimmy, avec Fabien, puis moi, on monte à chaque fin de semaine ensemble, on travaille la semaine longue, un petit peu comme qu'on fait là, du chat, puis je suis bien content, bien fier de lui. Parlant de d'autres personnes dont tu dois être fier, j'aimerais ça que tu nous parles de ton capitaine, Loïc Marcotte, joueur par excellence de la saison régulière, premier pointeur, je pense, à égalité des séries présentement, marqué à Laval, là, le match qui a marqué le but égalisateur en fin de troisième, le but en prolongation, en première ronde, a même lâché les gants contre Gabriel Verpas, qui n'est pas le premier venu, donc parle-nous donc un peu de ton capitaine qui vraiment là, fait un travail remarquable tout au long de la saison, mais encore plus en série. Oui, Loïc, c'est un leader incroyable. Il croit tellement. Il travaille avec sa chambre, avec les jeunes. Il fait un bon lien là, avec l'organisation, avec le groupe d'entraîneurs. Puis, je suis content du succès qu'il a. Puis, c'est tellement mérité. Loïc, il croit. Il croit en son groupe. Puis, il était là comme un bon père. Là. Il les a accueillis. Tu sais, c'était un vieux de la vieille là, qui restait de l'organisation. Puis, il a accueilli les nouveaux comme un père. Puis, il en demande. Puis, dans les séries, ben, il a encore steppé. Tu sais, je l'utilise en désavantage numérique. La game 5 à Laval, une année, je pense qu'il y a eu 4 shots, qu'il a bloqué des shots avec la main, avec le patin, la pad, il est revenu au bain, il ne savait plus où ce qu'il avait le plus mal sur son corps. Puis, mais comme tu dis, il lâchait les gants. Mais puis offensivement, il garde sa concentration, capable d'apporter de l'offensive en même temps. Donc, c'est un excellent leader. Puis les 3L là, sont choyés de l'avoir dans l'alignement. Un autre joueur qui surprend dans les séries, c'est Alexandre Anger, qui est obtenu là, par Fabien des Marquis de Jonquière. Est-ce que tu peux nous parler de Alexandre Anger? C'est lui qui est le premier pointeur actuellement avec 13 points. Loïc Marcotte suit là, avec 11 points. Est-ce que tu peux nous parler d'Alexandre? Oui, oui. quand on, justement, là. On l'a eu là, via transaction, puis c'est un joueur qui joue sur 200 pieds. Donc, autant quand il n'y a pas la rondelle, il va bien jouer défensivement, il va bien marquer ses joueurs, mettre de la pression. Bon coup de patin, puis écoute, il a toujours eu de l'offensive, puis dans les séries, là, il a eu ses chances, puis il en a profité un bon lancer. Donc, mais c'est un gars qui n'a pas peur de se mettre le nez là, dans la cuisine, comme on dit. Puis là, il récolte du succès, puis c'est très mérité. Et ensuite de ça, moi, question peut-être plus personnelle. Tu as déjà fait des finales en tant qu'assistant-entraîneur avec Jonquière, des longs parcours en série. Tu es rendu en demi-finale avec Laval en 2016. C'est ta première finale en tant qu'entraîneur-chef.
Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, là, j'imagine un peu du sentiment d'accomplissement que tu dois avoir là, de réussir là, à être rendu à ce niveau-là? Ben, oui, c'était un challenge pour moi. Là, une manière quand tu rentres dans l'hockey, le midget 3, le junior majeur, t'es adjoint, tu t'en vas dans Nord-Américaine, un petit peu adjoint, puis une manière j'ai voulu relever ce défi-là d'entraîner un chef. Puis, écoute, l'expérience de la finale puis de la coupe est très présente en moi. Maintenant, comme entraîneur chef, c'est un rôle différent. J'ai un rôle de leader là-dedans avec ces jeunes gars-là. Mais la chambre, les yeux sont très grands ouverts, les oreilles aussi. Puis, c'est une chambre qui est unie. Donc, pour moi, c'est une fierté. Mais c'est une fierté de voir ces gars-là travailler. Puis de voir, là, on en a parlé là, depuis le début, là, que les gars se connaissaient à peine. Tu sais, puis, qui vont vivre ça ensemble. Donc, rendu à cette finale-là, on va l'essayer bien comme il faut. Tu disais que c'était depuis 2014 hein, que tu n'avais pas été en finale? Oui, 2014 à Jonquière. On avait remporté la coupe justement sur la glace de Thetford Mines. Bon. Parlant, on va rentrer là, avant de. On va faire la place pour notre ami Bobby Barry également là, dans quelques minutes. Mais pour rentrer dans le crunchy là, avant de finir, on n'a pas parlé là, du. On a parlé de votre parcours, mais de ce qui s'en vient. Thetford Mines. On ne sera pas de cachette. Thetford Mines, depuis plusieurs années, c'est la grosse machine de hockey dans la Ligue nord-américaine. Dans le fond, les fans un peu et les experts voient quand même le Rivière-du-Loup, malgré le fait qu'ils ont vraiment une belle série contre Laval, encore un peu peut-être comme les underdogs. C'est quoi pour toi le défi à relever là, de battre Thetford Mines, qui est quand même là, une équipe assez similaire à celle que vous aviez affrontée aussi il y a 2 ans là, en première ronde là. Fait que c'est quoi un peu, là, comment est-ce que tu vois, t'entrevois ce défi-là? Oui, il y a 2 ans, on avait réussi seulement une victoire. Donc, ça ne sera pas suffisant pour cette année. C'est un groupe de joueurs, c'est une organisation qui travaille ensemble depuis tellement d'années et qui ont eu du succès ensemble. Donc, ils savent comment faire pour gagner. Ils savent comment faire pour se rendre là. Puis ça, c'est ancré en eux. Donc, il va falloir passer cette barrière-là. Nous, c'est pas compliqué, c'est on travaille. Donc, on devra travailler encore plus fort. On devra trouver des petites lacunes à aller chercher de période en période ou de match en match. Puis, le plus important, c'est pas de penser à Game 7, c'est pas de penser au trophée, mais c'est de penser à game 1. Première période, il faut se présenter puis il faut être là à Thetford Mines. Le reste, ben, on va s'ajuster au cours de la série. Avez-vous un slogan là, dans la chambre, un hashtag ou quelque chose de spécial? Je ne pense pas que rendu là, vous avez besoin de vous motiver. Là, mais... Absolument. Absolument. C'est ces gars-là, puis l'organisation, puis nous, le staff, on aime ça. On aime tout ça. Donc, on a toutes ces... On va le garder à l'interne, par contre. Mais on a nos petites bébelles. On a nos slogans. On a nos chansons qu'on fait jouer au moment opportun. Mm-hmm. Puis c'est le fun. Ça garde jeune. Puis on va espérer que c'est la bonne recette cette année. 2 dernières petites questions de mon côté. Premièrement, toujours une bonne barbe cette saison, mais là, est-ce que c'est une barbe extra longue pour les séries? Je sais qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui ont l'air de la faire à Rivière-du-Loup. J'ai remarqué quelques joueurs qui ont des barbes rendues assez longues. C'est une barbe un petit peu plus longue. Je la laisse aller, disons que... On va dire qu'elle apporte chance. C'est bon. Puis mon autre petite question, c'est en terminant. Si tu avais un petit mot à dire pour Jean-Philippe Chabot qui a annoncé sa retraite, tu l'as coaché là, à Rivière-du-Loup pendant
une saison, je crois. Oui, la première saison. Première saison, donc c'était ton capitaine là, à cette époque-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jean-Philippe Chabot? Ben, Jean-Philippe, premièrement, là, il m'a accueilli les bras ouverts. Connaissait de réputation, puis lui, c'était un vieux de la vieille, puis moi, j'avais tellement de respect pour ce gars-là, ça faisait je pense, 15 ans que je le voyais là, dans cette ligue-là, c'est un monument, puis ce que j'ai vu de lui, autant le joueur que vous voyez sur la glace, que c'est un guerrier, autant en dehors de la glace, il va s'assurer que son équipe est prête, va s'assurer. T'sais, la première année, ça allait pas du tout, là, ça allait pas bien. Puis je recevais des appels, peu importe l'heure de la journée. Puis coach, comment ça va? Puis je veux m'assurer que le moral est bon. Puis écoute, on lâche pas. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour Capi. Je l'appelle Capi encore. Puis je pense que côté familial, ce qu'il a parlé, là, que sa famille suivait, c'était une longue run là, qu'il avait à faire de Gatineau à Rivière-du-Loup, puis il a fait ça pendant des années, puis sa femme, puis demander ses enfants suivaient. Fait que j'y souhaite le meilleur pour Chabby, puis il va s'occuper de sa famille. C'est un être extraordinaire, puis ça a été un joueur, un guerrier, un rare que j'ai vu. Là. Dans les dernières années, c'était le guerrier que j'ai vu dans cette ligue-là. Beau message. Bon, ça, je vais y aller avec mes deux dernières questions. La question que tout le monde attend, en cas de victoire, peux-tu promettre aux partisans peut-être un petit vidéo TikTok là, de la victoire avec la famille, mais ça pourrait être la famille des joueurs des 3L aussi là. Écoutez, c'est pas quelque chose que j'ai envisagé, mais non. C'est pas quelque chose qui se peut pas, donc je sais comment est-ce que l'application TikTok fonctionne, donc on sait jamais, mais avant ça, il va falloir. On a beaucoup d'étapes à passer. Ouais. Mais avec la famille, assurément. Parfait. Donc, en terminant, peut-être un petit message que tu pourrais dire là, aux partisans des 3L. Ben, merci. Hein. On la sent l'engouement. On sent que vous êtes derrière l'équipe. Puis, je le sais que des dernières années, là, ça a été plus difficile. Mais je vous promets que on a travaillé fort, on travaille fort. Les gars prennent ça au sérieux. Puis continuez à venir nous encourager. Là, ça nous donne vraiment une confiance supplémentaire. Puis je vous promets qu'on l'essaye pour vrai. Puis les gars sont dédiés. Puis ils vont être présents. Donc j'ai hâte de vous voir en grand nombre samedi. Yes. Éric Hélé, entraîneur-chef des 3L, on va te souhaiter bonne chance pour la finale à toi et ton équipe. Merci, boys, faites du bon boulot. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne chance également. Là. Bonne finale, coach. Yes. Donc, Éric Hélé, entraîneur-chef des 3L de Rivière-du-Loup. Et on a l'entraîneur-chef de l'assurance, Bobby Barry, là, qui est dans la salle d'attente. Est-ce qu'on y va tout de suite, mon Dave? Ben oui, si Bobby est prêt. Transition rapide. Toujours prêt, Bobby. Salut, Bobby Barry. Entraîneur-chef de l'assurance, ça va bien? Très bien, vous autres? Yes. Yes. Donc, comment on sent la troisième finale en 3 ans du côté de l'assurance? Est-ce qu'on commence à être habitué ou c'est une nouvelle histoire à chaque fois? C'est une nouvelle histoire à chaque fois. C'est une nouvelle, tu sais, puis à la base, comment on se sent? C'est-à-dire on fait du hockey pour ça. T'sais, on fait du hockey pour jouer au mois de mai. C'est ce qu'on veut faire. C'est toujours le fun. C'est toujours, comme tu viens de dire, c'est toujours une nouvelle histoire. Puis c'est une histoire qu'on a toujours hâte de virer à la page d'après. Puis, on est là. Les gars sont contents d'être là. Puis je veux dire, ça démontre un succès d'organisation. Tu parles, ça fait 3 ans, c'est la première fois qu'une concession le fait, 3 ans en ligne. Je veux dire, c'est tout à l'honneur de la concession, puis des joueurs qui mettent les patins année après année là-dedans. Moi, ce que je voulais savoir, justement, là, peut-être plus de façon plus précise, là, chaque,
chaque finale, c'est une nouvelle finale. Spécifiquement, cette saison, en quoi cette finale-là est différente pour toi? Ben, comme, tu sais, je veux dire, différente. C'est-à-dire, chaque histoire est différente. Il y a quand même des acteurs nouveaux qui rentrent dans Bebel à chaque fois. C'est-à-dire, est différente. C'est-à-dire, on a gagné il y a 2 ans, on est tombé short l'année passée. Mm-hmm. Et quand tu tombes short une année, tu veux retourner. Puis, je veux dire, fait que la différence que ça peut être, c'est que l'année passée, on y retournait après avoir gagné. Vous êtes assis dans le dos et tout ça. Puis cette année, je veux dire, on est juste pas heureux d'avoir tombé short l'an passé. Au début de la saison, là, vous avez commencé avec 3 victoires en 10 parties. En entrevue, tu as dit qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. On apprenait à se faire une nouvelle chimie. Après coup, est-ce que tu peux dire là, que c'était vraiment là, la chimie que les gars devraient apprendre à se connaître en début de saison avant de prendre... Il y a deux choses là-dedans. Il y a deux choses. D'un, ce qu'on vient de parler tantôt, tu as gagné l'année d'avant, tu es dans la finale l'année d'après, tu recommences. Je veux dire, c'est pas les games les plus fun à jouer là, en septembre puis en octobre. Et on se mettra pas la tête dans le sable. Et à travers tout ça, oui, il y avait des nouveaux joueurs. Il faut que tu retrouves, pareil, une certaine cohésion. Tu as des trios à rechanger. Tu as des gars qui ne sont pas là. Fait qu'il faut que tu rechanges certaines choses. Tu sais, un petit peu, j'écoutais Eric tantôt. On est un petit peu dans la même réalité que Rivière-du-Loup. Est-ce qu'on pratique dans le camp d'entraînement? Puis après ça, c'est le néant un peu. Fait que après ça, ce beat-là, c'est-à-dire d'aller là, tu apprends. Ben, tu apprends des matchs durant la fin de semaine. Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça, trouver ton quel ailier qui va fitter le plus avec lui, puis c'est quoi le meilleur setup avec Dave maintenant qu'il y en a un qui n'est pas là, puis là, tu sais, le power play, on va le virer quand même, mais ça, ça prend une certaine période, ça prend un certain temps. À travers ça, tu sais, on a bougé des pièces de casse-tête à travers tout ça quand même, là. Mm-hmm. Justement, quelques échanges importants. Ben, je veux dire, à un moment donné, pardon? J'ai dit, on dirait plus même un peu cette année que les autres. Bien, parce que je veux dire, on était tombé short l'année d'avant. Je veux dire. Puis on avait des morceaux de casse-tête à changer, comme je le dis toujours. Je veux dire, quand tu as beau avoir toutes les tours du casse-tête, si tu n'as pas les pièces du milieu, tu ne verras pas l'image. Là. C'est classique. C'est comme ça. On jugeait qu'on avait des choses à faire. On était un club l'année d'avant qu'on avait joué sans droitier. Fallait régler cette situation-là. Puis on considère que cette année, on a donné un coup là-dedans. T'sais. C'est des transactions qui nous ont amenés. En fait, Mario Trabucco est venu par la draft. Kev Veilleux, Joe Narbonne sont arrivés via transaction. Tom Bellemare est revenu de la retraite quelque part après fight. Fait que, t'sais, mais t'sais, c'est ça. Fait que le début de saison, je savais que ça pouvait arriver, puis c'est arrivé. Il fallait juste, à un moment donné, commencer. C'était pas une mauvaise conscience ou whatever, là. C'est juste qu'il fallait se remettre sur la même page, tout le monde. Mmh. Bon. Je voulais parler un peu, peut-être que on parle d'histoire. Vous avez quand même connu de l'adversité au cours de la saison, mais également en série éliminatoire. Vous avez eu quelques blessés, un joueur qui a été suspendu également. Au bout de la ligne, là, vous êtes quand même en finale. Qu'est-ce qui a fait la différence là, dans tout ça? Il y a des joueurs qui sont ressortis également. Vous avez vaincu dans l'adversité tout de même. Est-ce que tu le vois comme ça un peu? C'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont sorti. Tu sais, je veux dire, en partant, tu sais, à Game 2 de la série, Pierre-Max Poudrier s'est fait suspendre. Je veux dire, c'est un joueur clé chez nous. Il faut que quelqu'un step up là-dedans. Quand tu regardes, je peux pas passer, on nommera pas tous les joueurs parce que je vais en oublier ou quoi que ce soit, mais si on parle de même, tu sais, Mario Trabucco est rentré, il avait manqué la fin de la saison, il est rentré dans le line-up, a ramassé beaucoup de points, des points importants dans cette série-là, a joué un rôle clé au centre. Après ça, dans la deuxième ronde, on a joué une partie de la ronde sans Max Lecour, sans Chris Lozier. On a perdu Dave Labrec. À ce moment-là, Steph Fournier n'était pas disponible à tous les matchs. Même chose pour Alex Tremblay. Fait que, puis Beauvillier non plus, parce que son travail principal, c'était coach. Fait que, deuxième ronde, on a quand même joué des matchs à chaque fois 4 attaquants clés. Là. Fait que, oui, il y a du monde, il faut qu'il step up là-dedans. Puis collectivement, on l'a fait. C'est pas 1, 2, 3. C'est collectivement, il y a du monde qui en a pris plus. On a fait que, la profondeur vient là-dedans. Puis je pense que le caractère vient là-dedans aussi. Puis on n'était pas dans une situation idéale quand même là, quand Dave a été suspendu. On a perdu game 3 chez nous à Thetford. Ouais. C'est pas le Klondike, là.
Mm-hmm. Et on jouait le lendemain, mais on jouait quand même le lendemain avec tous ces blessés-là aussi. Fait que, tu sais, je pense que quand on regarde Game 4 à Jonquière d'un aréna pleine, les gars ont montré énormément de courage, énormément de caractère. C'est ça, à deux, finalement, après la partie en entrevue, quand même, t'as justement évoqué les blessés, les suspensions, tout ça, l'adversité que vous avez eue. Vous êtes sorti avec deux grosses victoires par la suite. Le capitaine qui est revenu de la partie de 8 à 6 là, avec deux buts. Peux-tu me parler peut-être là, justement du retour du capitaine Max Lecour? Écoute, Max a un impact dans notre club. Vous n'auriez pas. T'sais, le capitaine, il n'a pas gagné au bingo. Là. Il l'a parce qu'il a un impact dans notre line-up. Et je veux dire, tout ce qu'il peut faire sur la glace, c'est un gars qui a énormément de caractère. C'est un gars qui a un cœur à bonne place. Puis il y a le logo tatoué sur le cœur. Je veux dire, fait que c'est un tir. Reprendre Max à cette game-là, c'était extrêmement important chez nous. Puis, tu sais, Dave n'était pas là ce game-là non plus. Fait que ça a été un bon boost pour notre équipe, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, je veux dire, c'est il nous a but gagnant. Tu sais, il y a le but gagnant, le but d'assurance qui est en troisième période. Mais je veux dire, c'est Max Lecour. Ça représente un petit peu l'histoire. Et Max, c'est un gars qui n'a jamais joué junior majeur. Tu sais, je le dis encore, puis ça reste une histoire. Jamais joué junior majeur, est arrivé invité chez nous. Puis je m'en souviens toujours parce que quand il était rentré comme invité, il y avait un joueur quand même chez nous, il y avait Michel Ouellet qui jouait à Telford. Ouais. Michel Ouellet avait quand même une belle carrière dans la Ligue nationale, puis junior majeur. Puis je me souviens, Michel m'avait dit à un moment donné, le kid sait jouer au hockey. Là. Et ça va être un bon joueur de hockey. Puis tu sais, Max, il y a quelques championnats avec nous autres, puis c'est rendu le capitaine dans notre équipe. Puis fait que quand on c'est sûr qu'on est mieux qu'il soit là qu'il ne soit pas, effectivement. Il y a quelques commentaires aussi. Je veux parler de d'autres joueurs là, pendant qu'on est dans le sujet. Il y en a un joueur que quand on parle de différence versus l'an dernier, qui en est une grosse différence, c'est Étienne Marcoux devant les filets. Ça, là, de revoir un peu pas que vous étiez mal nanti là, l'an dernier là, dans les filets, mais Étienne Marcoux, depuis qu'il est là, c'est un peu considéré comme le top gun, si on veut, là, devant les filets dans la Ligue. Parle-nous ça là, d'avoir la chance de revoir Étienne Marcoux à Thetford Mines pour cette run-ci. Ben, pour nous autres, c'est extrêmement important. Premièrement, E.T., c'est dans la famille chez nous. Là. C'est parenté avec moi. Il avait demandé de s'en rapprocher. C'est un gars qui son père s'occupe de Ulysse. E.T. travaille là aussi. Fait que quand mon calme est rentré dans la Ligue, c'était tout à fait légitime et normal qu'il puisse évoluer là-bas. Mais du moment que le club a fermé. Moi, je veux dire, je m'en ai mis une priorité de remettre la main sur Étienne. On avait gagné avec lui aussi l'année d'avant. Et puis, c'est sûr qu'il fait une différence. Je veux dire, c'est comme tu viens de dire, c'est pas mal un top gun d'un but. Puis, il nous amène justement la confiance, la stabilité. Puis, c'est un joueur clé de notre équipe. Jean-Michel Poulin qui demande, est-ce que Bobby pourrait nous parler de son appréciation de Bruno Carl Denis cette année? J'adore Bessin. T'sais, je veux dire, mon meilleur ami dans la vie est un coach des Patriotes de l'UQTR, puis ça fait longtemps que on rave en anglais, qu'on parle de lui, le succès qu'il y a eu à Rouyn-Noranda avec les Pats, c'est pas juste sur la glace, l'individu. Et puis on avait à l'époque fait une transaction pour Bruno Carl qui avait été arrêté par Maître Godette. Okay. Un grand connaisseur de hockey. Monsieur Godet. Fait qu'on avait mis la main sur Bruno Carl un an avant, en fait. Fait que quand l'opportunité s'est faite, là, pas longtemps à partir de la période de la draft cette année, je pense que Saint-Georges voulait. Moi, je pense que c'est un échange qui était bon pour les deux équipes. Où est-ce que Saint-Georges, comme nous autres, essaie de voir le plus de joueurs locaux? Dylan, c'était un naturel. Puis nous autres, BC, ben, on savait qu'il nous amenait d'autres choses. Je pense que Dylan amenait quelque chose à Saint-Georges, puis BC nous amenait quelque chose à nous aussi. Fait que je pense que c'est un bon hockey trade, comme on dit. Mm-hmm. Tu sais, BC fait un job extraordinaire chez nous. Moi, je trouve que, personnellement, Bruno Cardoni, je l'ai vu beaucoup en série contre Sorel, là, surtout l'an dernier, mais puis l'autre année d'avant aussi. Mais je pense que c'est un défenseur qui j'ai vraiment vu un défenseur qui n'est pas... Il n'est pas flashy dans rien, mais on dirait que tous les aspects du jeu, il le fait bien. T'sais, il est capable. Il est efficace. Je vais te faire un parallèle. C'est, c'est,
c'est Tommy Lafontaine plus jeune. Un peu. Oh, une grosse comparaison. Ouais, qui joue le 200 pieds. T'sais, il joue le 200 pieds. De la vitesse, joue le 200 pieds, il paye le prix. C'est un gars qui joue pour les bonnes raisons. Puis c'est un petit peu, on, pour nous autres, il rentrait un petit peu dans le spot que Tom Laff avait. Moi, si on revient, là, je voulais revenir un petit peu sur la série de contre Jonquière. Moi, il y a un truc en particulier que je veux te poser comme question, parce que je sais qu'en tant que coach, on doit rester là, de glace derrière le banc, mais la période de prolongation de la Game 6, pour être honnête, c'est une en tant que fan de hockey, c'est une des périodes, c'est un 10 minutes là, à peu près, là, mais les plus palpitants que j'ai vus, il y avait des chances de marquer, ça plaquait, c'était quelque chose. En tant que coach, comment est-ce qu'on fait pour justement, là, pas que notre cœur palpite trop, puis rester là, de glace là, pendant ce type de moment-là, là, quand les enjeux sont si importants, un match numéro 6 en série, puis ça va de tout bord, de tout côté, là, en prolongation? Ben, c'est comme les joueurs, tu sais, qu'à un moment donné, t'es dans le moment, là. C'est-à-dire, t'es pas, je pense pas qu'on le vit en arrière du banc comme on le vit si on est dans les estrades comme fans non plus. Tu sais, t'es dans le moment, tu vois ce qui se passe, c'est-à-dire, faut que tu sois prêt au changement d'après. Faut que c'est sûr que quand il était run and gun un peu, à un moment donné, c'était run and gun cette période-là, mais là, c'était. C'est rare que tu aies lancé de punition en OT aussi, là. Ouais. Fait que, c'est bon corps, mais ouais, c'est rare. Non, mais je veux dire, le corps était là. Il était en échappé depuis la ligne rouge. Je veux dire, ouais. Moi, ce qu'on se disait plus, c'était on a la chance de mettre la fin à la série sans lancer de punition, puis pas beaucoup de secondes après, Alex Picard t'en échappé. Ouais. Là, je me disais, tabarnache, on a-tu passé à côté? Ouais. C'est là que ça spin dans ta tête. Où est-ce que. Mais, écoute, c'est là. Je veux dire, on never too high, never too low, pareil. Là. On a manqué de lancer de punition. Après ça, il y a un bad bounce. Alex est en échappé. E.T. fait un gros save. Puis, le jeu n'arrête pas. Puis, il y a deux changements de trio plus tard. Chris Lozier met fin à la game. Ça, c'est un jeu incroyable de Pierre-Max Poudrier dans l'eau. Là. Mm-hmm. Qui bat 2D pareil dans l'eau puis qui ramène le puck en avant, mais c'est... en fait, on fait du hockey pareil pour jouer ce type de match-là. Et c'est pour ça, je veux dire, c'est un match dans une aréna pleine qui a un impact qui je veux dire, c'est... On parle de rester de glace, mais on a besoin d'émotion un petit peu. Oui, je veux dire, c'est fantastique. Je veux dire, c'est vraiment ce game, c'est ce type de game-là pour lequel on le fait puis qu'ils vont nous chercher des émotions justement puis des feelings qui sont... C'est-à-dire qu'ils sont difficiles à expliquer, mais je veux dire, c'est les games qu'on veut jouer. J'aurais pu dire, as-tu mal à la gorge après ce type de partie-là? Mais en fait, c'est loud, pareil, c'est loud à Jonquière, là. C'est loud des fois se faire de jaser ou quoi que ce soit, puis ça va être loud à Rivière-du-Loup, ça va être loud chez nous, c'est la beauté des séries éliminatoires, c'est la beauté de notre ligue, puis c'est pour ça que c'est pour ça que les organisations travaillent aussi, tu comprends? Tu sais, c'était plein à Jonquière, puis ça va être plein à Rivière-du-Loup. C'est des organisations, comme la nôtre d'ailleurs, qui travaillent extrêmement fort pour amener du bon hockey année après année. Puis ces organisations-là méritent ça. Puis je veux dire, tu sais, on parle, c'est RDL qu'on joue en finale, puis c'est pas... c'est RDL par rapport à Montréal, c'est pas bel oeil, là. Ouais. Tu comprends? Il faut que tu amènes des joueurs jouer là-bas, puis je veux dire, ce qui va leur arriver là, dans demi-finale puis en finale, avec une aréna pleine, ben, les propriétaires méritent ces situations-là. Fait que, ça va être l'autre, puis oui, probablement, maintenant, quelque part là-dedans, on va perdre la glace, on va perdre la voix. On a parlé d'émotion. Quand vous avez gagné à Thetford-Main dans le match numéro 6, quand tu es allé rejoindre les joueurs célébrés sur la glace, à moins que je me trompe, je t'ai vu faire un petit signe de la main, un numéro 5. Est-ce que c'était pour signifier le potentiel cinquième bague ou c'est moi qui a mal vu ce que c'est passé, mon ami? Non, absolument pas. Il n'y avait rien de ça. Non? Absolument pas. Probablement, je m'approchais, faire un five-way. Absolument pas. De toute façon, le décompte, non. Absolument pas. Non. Du tout. C'était la main des airs ou non. Pas content. Mais non, absolument pas. Parfait, loin ça. De là, même. C'était... Il y a une question. Aucun problème, mais non, absolument pas.
Question dans le chat de Michel Bujol qui veut savoir ton line-up partant pour la première partie. Il dit c'est ironique, il va savoir de quoi je parle. Est-ce que tu as une histoire par rapport à ça, Bobby? Si, c'est pas trop ce qu'on voit. Probablement parce que, je veux dire, en fait, c'est n'importe quelle personne qui donne son line-up partant. T'sais. Ouais, ben c'est ça, j'y ai répondu. Là, mais... ça doit être plus par rapport à ça. Line-up partant, okay. On va le savoir, mais quel pas que tombe à 8. Bon. Il y a un de tes anciens joueurs qui te souhaite bonne chance aussi dans le chat. Il a gagné avec toi il y a 2 ans. Oh, what? Quel guerrier. Il va dire une affaire, un impact majeur dans notre championnat de 2022. En fait, un impact majeur à chaque fois qu'il mettait les pieds dans la chambre, le Watts. Pendant qu'on parle de lui, c'est dans les bons individus que j'ai croisés dans ma vie, Francis Wattier, pas mal des premiers choix, là. Fait que, bien gentil, Watts. Puis on s'est parlé un petit peu cette semaine par texto, puis on souhaite qu'il vienne faire un tour, un match bientôt. C'est bon. C'est le message. L'invitation est lancée. Exact. Ouais. Parfait. Si on retourne au hockey, j'ai une question. Je dirais que c'est peut-être ma seule question, cruncher un peu, la question qui tue pour Bobby. Ted Firmins domine la LNH depuis 2018-2019. C'est les championnats de saison où vous avez passé à un point des deux derniers, mettons. Mais qu'à travers tout ça, là, depuis 2018-2019, il y a seulement une coupe là, qui est revenue à Ted Firmins. C'est votre troisième finale. Je sais que tu es un fan de balle, là, mais pour faire une petite comparaison, peut-être un peu boiteuse, est-ce qu'il y a un peu la pression, si on veut, de ne pas devenir un peu les Dodgers de la Ligue nord-américaine, qui est comme la grosse puissance de la Ligue, mais qui, dans le fond, qui a de la misère à aller chercher la coupe jusqu'au bout? En fait, je vois pas où est-ce que tu sors la misère là-dedans, parce que quand tu regardes, je veux dire, on a fini premier l'année du COVID, il n'y a pas eu de play-off. Ouais. Il n'y a pas eu de play-off cette année-là. Et on va être, présentement, quand on regarde les deux dernières années, on est 500. En fait, on est 1000 en finale, on est 500 pour le championnat. Ouais. On est 1000 en finale, oui. C'est la réalité de ça. Je veux dire, on ne reparlera pas de l'année du COVID. On avait une grosse saison, on avait fini premier. On ne sait pas ce qui aurait pu arriver. C'est fini. Mais je veux dire, cette saison-là n'existe pas. Mais quand je pense que la grosse année, quand on regarde l'année qu'on a gagnée en 2022, on avait une cible dans le dos. On a perdu combien de matchs cette année-là? 8, 9 peut-être? Et on a pas beaucoup de défaites dans la saison. Là. Fait que c'était important qu'on le fasse. Puis les gars l'ont fait avec brio. Quand je repense à cette année-là, on a joué Rivière-du-Loup en 5, on a joué Sorel et Laval en 4 en 4. Fait que je regarde l'an passé. L'an passé, là, mais, on a eu des bonnes playoffs aussi. Tombé short en 6 avec Saint-Georges, qui avait eu des playoffs incroyables. Sébastien Auger avait gaulé en 1. Fait que non, je pense que on regarde, je veux dire, au niveau les. On a 2012, 2015, 2000, on a quelques championnats à travers tout ça là-dedans. Je pense que les années avant ça, tu as fait beaucoup d'années en finale sans gagner, avant les années 2010. Ça, là, mais je pense que, je veux dire, la stabilité de l'organisation, le succès qu'on a eu, saison régulière, c'est toujours le fun, mais je pense que des playoffs, quand on regarde nos parcours, on est rarement tombé en première ronde, là. Moi, je pense, en plus, pour enchérir, je pourrais dire que, si tu te rappelles, l'année dernière, Dave, j'avais montré les photos de cigares à Bobby, pendant que c'était la tradition après la victoire. Il y en avait une couple de photos, je te dis ça de même. Non, je pense que... Je sais, mais je... Non, je parcours de playoff, puis je veux dire, premièrement, de parler aux quatre équipes qui ne sont pas là présentement, à la finale de la Ligue nord-américaine, là, c'est pas une raide de kayak. Là. C'est pas. Faut que tu payes le prix. Tu vas être blessé. Tu vas te faire de. Je veux dire, les gars, pas de mercenaires là-dedans. Là. Les gars, ils en laissent au travail, ils en laissent au niveau familial, ils en laissent au niveau de leur corps pour passer à travers ces trois séries-là. Là, puis match suicide, puis tout ça. Là. Ça fait que c'est. Il faut que. Moi, je veux dire. C'est chapeau aux boys. Année après année, ils performent, puis ils performent bien les séries éliminatoires. Puis,
qu'ils soient là une troisième année en ligne. Je veux dire, c'est tout leur crédit leur revient. Moi, je vais te poser une dernière question. Est-ce que vous avez est-ce que tu as un slogan là, dans le vestiaire, un mot que vous vous dites? Est-ce que tu as été monté les marches là, de la bonne Sainte-Anne à l'église Sainte-Anne, comme Jacques Damès en 93, quelque chose de même? Est-ce qu'il y a un message là? On a un slogan, tu veux dire, on a un slogan, on se rattache toujours à quelque chose. Et ça va être la même chose à Rivière-du-Loup, c'est la même chose à Jonquière, c'est la même chose à Saint-Georges. Ouais, on a un slogan, on a quelque chose sur lequel on spinne, parce que chaque année vient avec une histoire. Hein. Chaque année vient avec une histoire, vient avec des individus différents. Chaque année vient avec une chambre d'hockey, reste une chambre d'hockey. Fait que oui, on a quelque chose à laquelle on se rattache. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est notre identité. Yes. Dave. Sinon, également, là, pour un peu terminer, on a vu là, un peu partout à travers la ligue, mais également à Thetford Mines aussi, là, une excellente foule tout au long de la saison. En série, ça prend une coche. Là, on a eu des belles foules là, de 2000 personnes à Thetford Mines, pas mal depuis le début des séries. Ça risque d'augmenter encore d'une coche vendredi. Si tu avais un petit mot là, pour la foule à Thetford Mines, là, on sait que Thetford Mines, c'était pas le plus gros marché de la ville, mais le ça ne paraît pas quand on regarde le nombre de gens qui se pointent au guichet. Bien, notre foule est extraordinaire. Puis comme tu le dis, en fait, quand on regarde population-wise, c'est le plus petit marché de la Ligue. Thetford, c'est comme ça, c'est la plus petite ville. Je veux dire, les fans sont là. Puis cette année, quand on regarde après Noël, on a eu des foules extraordinaires par rapport à ce laps de temps-là. Et puis... On a joué Saint-Georges en fin de saison. On a quasiment touché à 2000 personnes. On a pogné Saint-Georges en partant. On flirte avec 2000 personnes et plus. T'sais, vendredi, il va y avoir au-dessus de 2000 personnes dans cette arène-là. Fait que notre foule est extraordinaire. Il faut. Les Canadiens ne jouent pas à TV. Il fait longtemps qu'ils ne jouent pas à TV dans les playoffs. Ben là, là. Il y a moins de monde qui reste écouter la TV. Fait que je pense que dans les deux villes, ça va être une excellente finale. C'est deux bons clubs de hockey. T'sais, vous en parliez tantôt. RDL, ils ont fait un job incroyable. Quand tu regardes Fabien Gagnon, le DG de l'année, Eric est en nomination pour le coach de l'année. Ils ont revampé leur défensive, ils ont greffé. Ils ne sont pas là par hasard. Là. Fait qu'ils ont, ça, c'est un club qui ont changé leur identité et tout ça. Les deux arénas vont avoir un excellent spectacle. Les deux organisations vont bénéficier de ça. Puis, ça reste les propriétaires qui mettent temps et argent là-dedans, méritent ça. Puis c'est pour ça, comme je te dis, quand je suis content que mes joueurs buy-in à chaque année puis qu'ils soient là trois ans en ligne pour le plus petit marché de la Ligue, ça vient, c'est tout à leur honneur. Mm-hmm. À un moment donné, tu peux booker off, là. Tu comprends? Tu peux booker off, dire, Chris, quand j'irai en vacances, moi, en avril avec la famille, ça ferait. Ouais. Tu comprends? Mais les gars, il y a des sacrifices qui viennent avec ça. Puis année après année, ils viennent faire un job incroyable. Ils aiment jouer à Thetford. On a une bonne gang de propriétaires. Puis, tu sais, chez l'autre bar à Trois-Rivières-du-Loup, comme je te dis, c'est pas à porte. Là. Venir les gens de Montréal à Rivière-du-Loup, ça vient à certains coups. Puis, c'est des gens qui sont là depuis nombre d'années, qui travaillent extrêmement fort pour garder un club là-bas. Fait que je pense que les deux organisations vont bénéficier de tout ça. La série va être extraordinaire. Bobby Berry, entraîneur-chef de l'assurance de Thetford, on va te souhaiter bonne chance pour les séries. Bonne chance. Merci, pour moi, c'est très apprécié. Yes. Continuez votre bon job. Vous faites une Christie de bon job. C'est bon ce que vous faites pour la Ligue et tout ça. Fait que, keep going, guys. Merci, c'est gentil. Puis bonne chance pour la finale. Merci, les gars. Merci. Yes. Bonne chance, Bobby. Donc, Bobby Berry, entraîneur-chef de l'assurance. Les deux entraîneurs ont été très généreux là, de s'être prêtés au jeu ce soir. Je vois des messages. J'aimerais ça peut-être spécifier quelque chose. Je voyais des questions un peu sur les blessés. Est-ce que tel joueur va être là? C'est des questions qu'on ne peut pas poser vraiment à l'entraîneur parce qu'il ne va pas vraiment nous le dire non plus. Ouais, tu sais, on connaît un peu déjà la réponse. Il y a peut-être des joueurs qui sont blessés, qui vont être en uniforme quand même. T'sais, on n'est pas pour dévoiler rien. Il faut comprendre un peu aussi. Je suis pas mal sûr si on avait posé la question, la réponse aurait été on verra vendredi puis on verra samedi. Ouais, c'est ça. Puis c'est la même chose un peu pour l'alignement partant ou autre chose. Donc, non, c'est sûr, certain.
Mais ça met la table, ça met la table. C'est le fun aussi, c'est une dynamique intéressante cette saison, là. Un peu comme tu avais dit avec Eric Haley, là, c'est comme les jeunes loups, si on veut. Là. C'est vrai qu'on a un club plus jeune à Rivière-du-Loup. C'est un nouveau noyau aussi à Rivière-du-Loup, là, quand on regarde la défensive, là, la majorité des gars, à part, mettons, Michael Ward, sont là depuis un an ou deux. À l'attaque aussi, là, à part Maxime Saint-Cyr, puis Loïc Marcotte, Janik Asselin, qui joue aussi des fois, là, la majorité des joueurs aussi, c'est des joueurs qui sont là depuis un an ou deux. Donc, je pense que c'est... C'est intéressant là, de voir ça à Rivière-du-Loup. Du côté Thetford Mines, ben, on a quand même des nouveaux joueurs, là, comme Bobby l'a mentionné. Là, on a revampé un peu, on est allé chercher les droitiers, comme Mario Valérie Trabucco, qui a eu un retour à Thetford Mines, mais Bruno Cardoni, Jonathan Narbonne, donc tous des nouveaux joueurs cette saison. Donc, mais c'est quand même un noyau qui est là depuis longtemps là, à Thetford Mines, donc une équipe plus de vétérans. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme hockey, mais ce qui est le plus fun là-dedans, c'est que c'est sûr que les deux buildings vont être pleins. Fait que ça va être, yes. Ça va être du hockey très, très enlevant. Puis je suis content pour les fans de Rivière-du-Loup parce que, comme j'ai dit, les deux finales qu'ils ont déjà jouées dans la Ligue, c'était contre Sorel. Donc, j'ai vu pas mal de matchs de finale à Rivière-du-Loup. Puis, c'est dur. Tu sais, Centre Intex, c'est le plus gros aréna de la Ligue. Donc, c'est un petit peu plus dur des fois à remplir peut-être que d'autres arénas. Mais quand il est rempli, il y a du monde à la messe là-bas. Puis, c'est le fun. Puis, même chose pour Thetford Mines. J'ai déjà vu des finales aussi à Thetford Mines. Là, c'est que ça aussi, c'est le fun quand c'est plein. Ça l'était déjà pas mal. Contre Jonquière, le match numéro 1, j'étais sur place, donc j'étais déjà pas mal contre Jonquière, mais non, ça va être le fun. Puis, tu sais, on parle de prédictions dans le chat. Ouais, ben là, c'est ça que je voulais dire. Là, je vois, ben, juste peut-être finir, Réal Kenley qui écrit l'expansion l'année prochaine, croyez-vous? On avait parlé un peu en début de reportage, là, le reportage de Stéphane Turcot, que Les rumeurs s'intensifiaient, donc Réal, on t'invite peut-être à aller regarder le début de l'émission où on en parle un petit peu plus. On voudrait peut-être se concentrer un petit peu plus sur la finale et les séries ce soir, donc tu peux aller voir peut-être en début d'émission. Je vois Steven Lavoie qui écrit vos prédictions, Dave et Seb. J'ai préparé quelques petites pilules rouges ou pilules bleues. Parfait. Des petites questions. Moi, je vais y aller avec ma prédiction usuelle. Tout de suite? Non, mais ma prédiction toujours, c'est que... Bon? À fret, let's go. Non, mais ma prédiction que j'ai toujours, c'est que je veux que la série se rende en 7. Que je veux qu'il y ait le plus d'enjeux de hockey possible. Fait que c'est sûr que... Ma prédiction initiale, c'est ça. Ensuite, on verra la prédiction qui va gagner. Je vais peut-être amener quelques statistiques là, avant qu'on parle... plus profondément, mais ça n'a pas à la finale, mais Thetford contre Rivière-du-Loup en saison, ont joué 7 matchs un contre l'autre. Thetford avait gagné 5 victoires sur les 7 parties. Il y a quand même 2 parties là, qui sont allées en prolongation et en tir de barrage que l'assurance avait gagné. Si on regarde peut-être aussi les comparaisons du côté de l'avantage numérique, on était comme à 29% du côté des 3L et 21% du côté de Thetford. Au niveau des tirs, c'était un peu semblable et les pénalités aussi. Donc, Thetford a eu le dessus. Et si on regarde peut-être au niveau de la saison, Donc, en saison, là, Thetford a marqué 150 buts, 139 pour les 3L. Les 3L ont accordé un but de moins que l'Assurantia dans toute la saison. Donc, lorsqu'on parle de l'équipe de l'Assurantia qui est reconnue pour sa défensive, on n'a pas le choix de parler aussi des 3L maintenant. Donc, on a accordé un but de moins. Ben, t'sais, c'est les joueurs que Fabien Dubé a apportés. Yes. Donc, du côté de l'avantage numérique, on a eu plus de succès là, du côté. De Rivière-du-Loup, oui, exact. Donc, 44 buts en 181 tentatives, près de 25%.
On était un petit peu plus fort du côté de Thetford là, en désavantage numérique. La discipline, c'est surtout sur la grande glace à Rivière-du-Loup. C'est là que l'avantage de Rivière-du-Loup est le plus dévastateur. Mm-hmm. Là, donc, ça va être important pour Thetford Mines de rester discipliné sur la route à Rivière-du-Loup. Là, Mais, tu sais, c'est dur à dire. On dit peut-être là, dans les séries éliminatoires que l'arbitrage des arbitres laisse aller leur sifflet. Je pense que de moins en moins, là, année après année, que ce soit dans notre ligue ou dans les autres ligues professionnelles, on appelle ce qu'on a à appeler. Est-ce que les avantages numériques vont être un facteur? Je pense que ça va être pas mal une boîte à surprise. Je ne sais pas si c'est quoi que tu en penses. Si l'arbitrage reste constant des autres rondes, oui, parce qu'ils vont en avoir. Donc, mais est-ce que tu penses que la dimension de la glace pourrait avoir un effet là, sur la série? Ben, sur l'avantage de la glace, c'est sûr que Thetford sont plus habitués de jouer sur une patinoire un peu plus courte, puis Rivière-du-Loup sont habitués de jouer sur la patinoire qui est plus grande, donc ça va peut-être se ressentir plus pour l'équipe qui joue à la maison. Le jeu change un petit peu quand la zone neutre n'est pas la même dimension. OK, les avis sont quand même partagés. On parle un peu de la logique que peut-être Thetford Mines est habitué là, des grands rendez-vous. Je vois Denis qui parle peut-être de s'éloigner du banc des pénalités. Peut-être les unités spéciales pour avoir quelque chose à avoir dans la série finale. Est-ce qu'on y va peut-être avec les petites images en même temps? Yes. Donc, cherche la pilule. La pilule est ici, la pilule. Pilule rouge, pilule bleue. Donc, il y en a cinq. Donc, Dave, les gens aussi là, dans le chat, là, si vous pouvez donner votre avis. Mais, première pilule, est-ce qu'on y va avec l'attaque des 3L ou l'attaque de l'assurancia? Qui, selon toi, l'avantage, Dave? Ben, je dirais l'attaque de l'assurancia, là, sont plus profonds. Là, quand Danick Gauthier joue sur ta troisième ligne, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une troisième ligne ou une ligne 1A, 1B, 1C? Donc, c'est sûr que quand l'assurancia est en santé, c'est sûr que Alexandre Goulet semble s'être blessé lors du match numéro 6 à Jonquière. Ça, c'est quand même un point d'interrogation à ce niveau-là. Mais quand tu regardes les deux premiers trios qui étaient Poudrier, Veilleux, Goulet, Beauvillier, Lausier, Lecour, ça te fait une troisième ligne que tu as, tu mets qui? Trabouco, Danick Gauthier, Dave Labrec. Rendu là, je veux dire, c'est un peu une abondance de richesse à l'attaque du côté de l'assurance. C'est sûr que tu donnerais avantage à l'assurancia à ce niveau-là, là, parce que c'est sûr que si tout le monde est en santé, l'assurancia a un avantage là-dessus, même si Rivière-du-Loup est impressionnant depuis le début des séries. Je vois la question d'André Lessard sur les gardiens. Ça va venir, André, on va y venir. Mais avant, on va parler de la défensive de 3L ou la défensive de l'assurancier. Sachant que c'est pas mal semblable là, du côté des deux équipes là, au niveau de la saison régulière. Je donnerais peut-être sur la défensive un petit avantage au 3L là-dessus, parce que la défensive est plus rapide. Donc, tu sais, être un petit peu plus jeune, plus rapide. Il y a quand même des très bons défenseurs qui patinent très bien à Thetford, dont Gabriel Lemieux puis Bruno Cardoni, qui sont d'excellents patineurs. Mais, tu sais, quand on regarde là, la rapidité de Tristan Pomerleau, Félix Boivin, Michael Ward, Wayne Etourneau, c'est tous des défenseurs très rapides. Marc Crevier-Morin aussi patine très bien. Puis ensuite de ça, si on regarde le côté défensif, le côté plus robuste,
Ben, tu sais, on est bien nantis à tête ferme, c'est sûr. Là, les bouteilles, les pines donneront jamais, même les Lemieux, à ce niveau-là, ne donneront jamais leur place. Mais, tu sais, à Rivière-du-Loup aussi, là, l'addition de Coderre-Gagnon, ça fait une grosse différence niveau robustesse à la défensive. Boivin ne donne pas sa place, Pomerleau, tu sais, aussi. Donc, Crevier-Morin également. J'avais d'ailleurs jeté les gants face à Gabriel Lemieux plutôt cette saison à Tetfermines. Donc, tu sais, je pense que je donnerais un léger avantage aux 3L là-dessus. C'est sûr que, tu sais, Tetfermines avec la perte d'un Tommy de la Fontaine et d'un Pierre-Luc Lessard, c'est pas exactement la même chose qu'on avait avant. Bon, on a des gars comme Samuel Hould et des notaires donnés qui ont pris un petit peu plus de place. Puis, j'ai beaucoup aimé Gabriel Lemieux qui a toute une saison également. Ouais, puis j'ai beaucoup aimé l'éclosion de Samuel Hould cette saison. Je dois mentionner le premier but là, du match qui a fini 8-6, là, c'est Samuel Hould. Puis le jeu qu'il a fait pour se rendre au filet, là, il était à pointe. Puis le gars qui le couvrait, il a fait un spinorama pour le battre. T'sais, il a fait sa passe, il a fait un spinorama pour se battre parce qu'il a vu que le gars était contre pied ou whatever. Puis il a coupé au filet. Puis il est allé marquer de cette façon-là. C'est quand même quand tu regardes un défenseur jouer, c'est quand même un but assez impressionnant, j'ai trouvé. C'était quand même tout un move. Fait que non, Samuel Hould vraiment éclos aussi. Donc, mais tu sais, c'est serré. C'est un léger avantage aux 3L, je dirais, mais c'est quand même deux excellentes défensives. Donc, on y vient, André, gardien des 3L, gardien de la Surancia. Les 3L là, font pas mal un. C'est comme un monstre à deux têtes avec Étienne Montpetit. Ouais, c'est à côté de Cazenave. Du côté de la Surancia, on a Étienne Marcoux là, qui est pas mal le partant à tous les matchs. Oui. C'est sûr que c'est dur d'aller contre Étienne Marcoux quand on veut donner l'avantage à un ou l'autre. Là. C'est sûr que je dirais avantage à Tetfermines à cause d'Étienne Marcoux. C'est sûr que niveau profondeur, il y a peut-être un peu plus de profondeur au niveau des gardiens à Rivière-du-Loup, puisque Montpetit et côté Cazenave, les deux ont montré que c'était deux gardiens qui étaient capables de faire le travail. Mais c'est sûr que à moins que Étienne Marcoux doit laisser sa place. C'est Francis Leclerc, c'est pas un gardien non plus, mais de ne pas avoir gardé les buts depuis un mois et demi, c'est sûr que s'il l'avait arrivé en plein milieu de l'action en finale, ça peut être difficile. Donc, c'est sûr que à moins d'une circonstance qui ferait que Marcoux devrait laisser sa place, c'est sûr que j'irai avec Étienne Marcoux à ce niveau-là. Yes. Donc, Réal Kengley qui dit également avantage Tetford. Une question de Tiben Orr qui dit un combat égal, tu une suspension ou il y a une limite par match? Je ne comprends pas la question. Non, moi non plus. Good. Bon, on va continuer. En attendant, peut-être Tiben, si tu peux nous éclairer. On va y aller avec. Finalement, peut-être Jeune Loup, 3L ou l'expérience à Surancia. Finalement, je te demande qui tu prends là, pour. C'est un peu la prédiction. La victoire, ça, ouais, c'est un peu la prédiction. C'est sûr que ma prédiction, ça va être Tetfermines parce que justement, c'est un club qui s'est gagné, c'est un club qui est très expérimenté. L'attaque est très, très, très profonde. C'est sûr que ma prédiction, je vais y aller avec Tetfermines. On va rendre ça le fun. Je vais dire Tetfermines en 7. On va dire que Rivière-du-Loup va leur donner une go, comme on dit. Mais si Rivière-du-Loup, par contre, peut aller chercher une série longue, puis, tu sais, aller chercher cette expérience-là, puis on revient l'année prochaine, c'est avec le même noyau et tout, avec l'expérience en finale, qu'on gagne ou qu'on perd, bien, c'est sûr que, tu sais, Rivière-du-Loup, quand on regarde le corps qui est quand même assez jeune, là, donc c'est sûr, Rivière-du-Loup, des fois, c'est un peu plus dur de garder des joueurs, mais, tu sais, quand on a un jeune corps en santé, on peut espérer que ce noyau-là reste quand même quelques saisons à Rivière-du-Loup. C'est sûr que le futur est prometteur, mais je pense que c'est encore un peu le temps de la Surancia, là, c'est un peu. Tu sais,
on parle en anglais, on dit la window, là, mais tu sais, la window de l'aspiration. On peut dire la fenêtre aussi, je pense que ça se dit. Fenêtre, ouais. Ça se dit en français aussi. On est dans la fenêtre pour l'aspiration, c'est sûr que. Ça, la fenêtre à Rigaud-du-Loup commence à s'ouvrir, hein, si on peut dire ça comme ça, mais la fenêtre à Thetford n'est encore grande ouverte. Donc, non, c'est... Puis avec Marcoux devant les filets, tu sais, Marcoux, c'est sûr, le match de 8-6, ça a été un match un peu spécial, mais. À 6-6, Marcoux a quand même fait un arrêt vraiment spectaculaire sur un 2 contre 1, un déplacement transversal, arrêt de la mitaine et tout. Puis le match de 2-1, Marcoux a été époustouflant. Là, donc, a mérité la première étoile, là, c'était sans équivoque. Là, le match numéro 6, on peut lever notre chapeau à Étienne Marcoux sur ce match-là. L'arrêt qu'il a fait sur Alexandre Picard, pour ceux qui ne l'ont pas vu, un arrêt qui a fait quasiment la split là, pour faire l'arrêt de la jambière sur l'échappée de Picard en prolongation. C'est un arrêt spectaculaire, c'est toujours impressionnant, mais quand tu le sors en prolongation en plus, ou quand c'est 6-6 en fin de troisième la veille, j'ai de la misère à gager contre Étienne Marcoux. Je vais dire Thetford en 7 parce qu'on va rendre ça le fun. On va amener ça en 7. Mm. Ouais, c'est sûr que si on regarde froidement, c'est dur de ne pas prendre pour l'assurance, sachant que en plus, c'est leur troisième finale en 3 ans. Donc, ils ont quand même l'expérience. Mais on est dans une autre saison. Les 3L sont sur une bonne lancée. On sorti les champions de la saison régulière. Je pense que rendu là, je pense que tout se peut. répondre à la question de Tiben, je pense que c'est les combats dans une partie là, qu'il voulait savoir. Là, deux après une partie, t'es sorti. Ouais, ça ne marche pas. Je dis pour les noyaux, c'est sûr que s'il y a deux clubs qui rentrent l'an prochain, ça va changer un peu. Ouais. Ça va être intéressant. Mais tu sais, Denis Arsenault qui dit RDL Laval, jeune contre expérience, c'est la même chose contre Thetford. Sans rien enlever à Laval, il y a plus d'expérience de finale et de coupe à Thetford qu'il y en avait à Laval. Mm. Ah, ça, avec un noyau à maturité, il y a quand même plusieurs joueurs là, qui ont des longues carrières dans le clan de l'assurance. Là. Donc, c'est ça. Probablement qu'on espère peut-être la victoire pour peut-être se retirer dans la gloire, sait-on jamais. Aussi, un point, il y a plusieurs joueurs là, que ça serait une troisième coupe à Thetford Mines si jamais ils gagnent, mais du côté de Gabriel Lemieux, ça serait une quatrième coupe et on serait à seulement une coupe du record détenu par... Denis Paul, qui est passé au podcast il y a quelques semaines. Donc, à suivre à ce niveau-là, Gabriel Lemieux, qui pourrait s'approcher d'un des records. On l'a vu, il y avait seulement Simon Desormeaux puis Mathieu Dumas, qui avait 4 coupes également dans la Ligue. Donc, ce serait parmi les tops du top à ce niveau-là. Et la dernière question, là, pour s'amuser un petit peu, dans la série... Quel joueur sera le plus haïssable? Ouais. Olivier Mathieu ou Chris Lozier? C'est bon, vous pouvez répondre aussi à celle-là, les gens, dans le chat. Ouais. J'ai envie de dire... j'ai quasiment envie de dire... bonne question. Depuis le début des séries... Mais en même temps, j'allais dire que Chris Lozier était peut-être un petit peu tanké, mais ouais, il était blessé un peu aussi. Fait, peut-être que, mais en même temps, il a le but gagnant en overtime lors de c'est tough à battre, ça. Olivier Mathieu aussi a connu une des très bonnes séries. Mais ouais, c'est vrai que les deux sont détestables de façon différente. C'est quand même des noms qui reviennent, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est Christophe Lozier. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Olivier Mathieu, il va te chercher puis il va faire l'haïssable. Il va s'arranger pour que ça soit un petit peu en arrière du jeu, que tu ne vois pas trop. Fait que, mais non, c'est sûr que c'est les gens de joueurs qui rendent les parties le fun. Mm.
Mais bonne question. Lequel des deux est playable? Là, on voit Réal, Kingley qui dit Lozi, André Lessard qui dit Chris, Denis Arsenault qui dit les deux sont détestables, mais de façon différente, un peu comme tu avais dit. Jean-Paul Veilleux qui dit Lozi. Ouais, c'est marrant. Elle est bonne celle-là. François Paul-Kien qui dit Lozi est difficile à battre. Non, elle est bonne celle-là. Olivier Mathieu, c'est plus du son des Chris. OK. Ben, ouais, d'un côté comme de l'autre, en tout cas. Si les partisans essaient de déranger les joueurs, je pense que c'est deux joueurs qui sont capables de tirer leur épingle du jeu, puis ça les motive plus que d'autres choses. Ouais, non, c'est une bonne question. J'ai hâte de voir ça va être qui, mais ça va être le fun, ça c'est sûr et certain. Bonne question. All right. Donc, ça faisait le tour là, de la pilule bleue ou de la pilule rouge. On a fini ça en beauté. Mais non, ça va être une bonne finale. On a reçu les deux entraîneurs-chefs. On le savait qu'on n'allait pas trop s'échapper de part et d'autre. Je pense qu'on va garder l'émotion pour la finale. Mais si ouais, on suit la tendance là, des séries éliminatoires jusqu'ici, je pense que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu des séries. Je trouve aussi émotives en crescendo jusqu'ici. Ouais, ben les matchs en prolongation, il y en a eu 3 dans la série Thetford-Jonquière, 2 dans la série Rivière-du-Laval. C'était des séries serrées, longues, ouais, de part et d'autre. Si on remonte avant, il y en a eu 2 dans la série Sorel-Laval aussi. Il y a eu beaucoup de prolongations. Ben, c'est un peu à l'image de la saison. Il y a eu vraiment beaucoup de prolongations dans la saison, mais c'est le fun de voir qu'il y en a beaucoup en série aussi parce que, je veux dire, en tant que fan de hockey, des prolongations en série, c'est pas mal le top du top que tu peux avoir là, comme quand tu regardes le hockey. Donc, ça promet. Ça, c'est une chose est sûre. Ça promet. Yes. Denis demande est-ce qu'on va nous voir dans les arénas en finale. Si tu vas aller faire un petit tour, Dave? Ben, si tout va bien, moi je devrais probablement être à Thetford Mines vendredi. Puis si j'aimerais ça m'arranger, mettons que peut-être pas match numéro 2 ou 4, là, mais si un match numéro 6 à Rivière-du-Loup, j'aimerais ça m'arranger pour être là. Ouais, ça serait un fun. Petit voyage. Denis, par exemple, si tu me ramènes des trucs comme la troisième prolongation 2016, je le goût de descendre à Rivière-du-Loup. André Lessard qui dit Seb est dur à sortir, mais j'y vais, mais undercover dans les arénas, bon, des fois. Dans les finales, je suis aussi. T'apportes un hoodie puis des lunettes fumées. Ouais, ben le monde, ils me reconnaissent pas quand je vais dans l'arène. Je suis pas toujours habillé avec une casquette puis du linge lousse. Donc, on va peut-être me voir également pendant la finale. Mm-hmm. Ben, je tiens à dire quand même que Thetford est un petit peu plus proche de chez nous que Rivière-du-Loup, mais j'en ai parlé justement avec Eric un peu avant en coulisses. Là, donc, j'ai déjà fait mes petits voyages. Rivière-du-Loup, c'est l'année dernière. Je suis allé à une partie à Rivière-du-Loup. Un petit voyage, une fin de semaine. Ah, regarde, tu vois Mike Vincent qui dit même au draft, t'es undercover, pas de casquette, mes connaisseurs. Hein. J'avais sorti mes habits du dimanche. Yes! Donc, sur ce, Dave, on va souhaiter des bonnes séries. Merci à Eric Haley et Bobby Barry d'être venus faire un tour. Merci là, aux gens là, qui sont déplacés également. Ça, sont déplacés en masse dans les arénas. Ils sont également déplacés pour le podcast de ce soir. Il y avait à un moment plus de 225 personnes en même temps. Encore une centaine de personnes. Donc, merci de nous avoir suivis cette année tout au long de la saison. Et je pense que ça promet. Pour le prochain podcast, est-ce que tu sais c'est quoi qu'est-ce qu'il y a au menu là, pour mardi prochain? Mardi prochain? Oh non, pas encore. On va travailler là-dessus cette semaine. Bon, on va regarder ça. En espérant qu'il y a peut-être des petites annonces à faire, sait-on jamais.
Ouais, à suivre. À suivre. Sur ce, mesdames et messieurs, on va vous souhaiter des bonnes séries éliminatoires et aller dans une aréna près de chez vous où vous pouvez faire la route également. Ouais, il n'y a plus, il reste plus grand choix. Ouais, important d'acheter vos billets d'avance, par exemple. Ouais, exact. Regardez nous samedi, c'est déjà complet, là, mais peut-être pour les d'autres matchs là, dans la série. Ouais, ben achetez déjà vos billets pour le match numéro 4. Yes. Donc, bonne soirée et faites attention à vous. Au retour à la maison, au revoir.